C'était... Ah, je me disais comment je voulais dire ça. Hey, salam, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça en face cam. Parce que les vidéos que je vous ai mis avant, j'étais pas régulière. En plus, c'était des vidéos pré-filmées et tout et tout. Donc là, j'essaie de reprendre, on se motive, un rythme régulier. Je vais essayer de poster une fois par semaine, au moins, si j'ai le temps, deux fois par semaine. Mais je vais pas mettre ça comme obligation, comme engagement vis-à-vis de vous. Parce que j'arrive pas à le tenir et au final, je poste plus rien pendant 2-3 semaines. Et c'est pas du tout sérieux. On va arriver à rien comme ça, donc faut que je me motive. Après voilà, c'était compliqué ces derniers temps avec l'école, le travail et tout. J'arrive pas à trouver mon rythme tout simplement. Je suis débordée de partout. En plus cette année j'ai un mémoire à écrire, c'est la panique. J'ai aussi des petits soucis de santé, donc voilà. Mais je reviens en force. Et pour cette nouvelle vidéo qui avait été grave demandée sur Instagram. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste là, comme ça vous pourrez participer au prochain sondage pour savoir quelle vidéo je fais. Donc cette vidéo avait été grave demandée. Je m'excuse d'avance pour la luminosité, d'habitude je filme en journée. Bon là en vérité on est encore en journée, il est 17h pile. Mais la nuit est tombée très rapidement, enfin de toute façon à Paris la grisaille vous connaissez. Donc il n'y a plus du tout de lumière, j'ai dû allumer le lustre derrière, enfin toutes mes lampes derrière moi. Et même comme ça c'est pas ce qu'il y a de meilleur, c'est la première fois que je tourne de nuit, sûrement la dernière. Parce que j'ai pas encore l'éclairage frontal que je peux mettre en face. Du coup je filme toujours en journée. Et là c'est pas très très beau, mais je vous avais promis de faire cette vidéo là et je voulais pas reporter, et puis avec les cours et tout ça va être compliqué, donc aujourd'hui je la filme et j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je sais que vous kiffez les story time et les vidéos sur le mariage, il y a plein de filles qui se marient, c'est un sujet qui revient à chaque fois, et si ça peut aider des filles et donner des conseils, bah je suis preneuse. Donc ça sera une story time sur comment j'ai annoncé à mes parents que je voulais me marier à 20 ans. Ah là 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 là. Bref, je vous ai déjà fait du coup une story time sur l'histoire avec mon mari, mais dans sa globalité, comment on a décidé de se marier, comment on s'est rencontrés, comment... voilà, une story time très émouvante et tout, parce que je vous ai expliqué mon choix de me marier en Algérie et ce qui... fait que ce mariage on l'a fait en Algérie et ça nous a littéralement sauvé la vie, parce que si on était resté en France il nous aurait arrivé un grand malheur, et ça on le savait pas à l'époque mais on l'a su après. Donc si vous voulez voir cette vidéo je vous la mettrai juste là, après vous revenez voir celle là comme ça vous comprendrez mieux le contexte, comme ça je fais pas une vidéo encore de 30 minutes comme toutes mes vidéos, c'est pas grave. Et j'ai fait aussi une autre story time sur ma demande en mariage, ça veut dire la cérémonie, comment on s'est organisé, je donne des comptes pour la demande en mariage, la khutba, je vous ai fait une vidéo à part. Donc là ça va vraiment parler juste de l'annonce à mes parents, comment j'ai réussi à les convaincre, etc, etc. En gros, maman, papa, je veux me marier à 20 ans. Bref, bref, commençons. Alors l'histoire commence, je vous l'ai dit, à mes 19 ans, je rencontre mon mari. En terminale, voilà. Déjà, ça vous met le décor. Pour vous dire, c'est compliqué tout ça. Donc à 19 ans, j'ai pas fini mes études, je suis qu'en terminale. Lui, c'est pareil, c'est encore pire parce que c'est pas genre j'ai rencontré un homme plus vieux qui pourrait assumer, entre guillemets, assumer parce qu'il a déjà sa situation, il a son appartement, sa stabilité. Non, on avait niet, nada, wello. On n'avait pas d'appartement, pas de diplôme, pas d'argent, rien du tout. Donc, on se rencontre à ce moment-là, et moi dans ma tête ça a toujours été catégorique le jour où je rencontrerai quelqu'un qui me correspond, avec qui je vois qu'il y a une possibilité de futur commun et qu'on est d'accord sur ça tous les deux, je me marierai, je resterai pas avec lui à parler derrière le dos de mes parents pendant 2-3 ans, le voir sortir avec lui 4 ans, 5 ans et après décider de me marier quand j'aurai ma situation. C'était hors de question dans ma tête. Même si je devais me marier à 18 ans, je l'aurais fait. Ça aurait été encore pire, mais voilà. Et du coup, ça veut pas dire que j'ai fait ce choix-là, que je juge. Parce que des fois, une fois, j'ai eu une fille complètement barrée sur Instagram qui m'avait dit « Tu juges les filles qui fréquentent leur mari. » Je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez avec... vous fréquentez vos copains, vos copines, vous mariez après, vous repentez avec Dieu, c'est votre problème. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Et j'essaye de montrer le meilleur exemple, même si encore une fois je ne suis pas parfaite, je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises. Donc je le rencontre, on se met d'accord sur, enfin lui et moi on a toujours été le mariage jeune, je lui ai dit dès le début moi ça sera un mariage, c'est pas pour nous amuser. Et il n'était pas contre l'idée, on n'était pas parti sur se marier immédiatement, on était parti sur l'idée à la base de faire un mariage religieux, il y a beaucoup qui le font, et d'attendre plus tard de se marier.
En fait, moi j'ai fait les choses petit à petit. Mes parents savent comment je suis, connaissent mes principes, connaissent mon éducation. Je leur ai jamais rien caché, rien fait, enfin, rien caché de grave, rien fait de grave dans leur dos. Du coup, à partir du moment où j'étais en terminale, où je rencontre mon mari, donc en cours, on se voyait juste à l'école, dès le début j'ai vu que c'était sérieux. Donc vraiment, les premiers jours, enfin, il s'est même pas écoulé un mois, j'en ai directement parlé à ma mère et c'était la première fois que je parlais d'un garçon. Et ce jour-là, on était en train de faire une prise de sang avec ma mère, enfin, parce que j'avais des problèmes de santé de ouf à cette période-là. Et parti, ouais, je faisais la prise de sang et puis je lui ai dit, en fait, simplement, je lui dis, j'avoue, c'était, ah, je me disais, comment je vais lui dire ça? C'est la honte et tout, et je sais pas, et même ça, dans notre culture et tout, ça se fait pas trop de parler à d'un garçon, mais je voulais pas lui cacher. Alors je lui dis, maman, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans mon école, je parle avec lui. Bon, pour l'instant, on sait pas encore ce qu'il en est, mais voilà, il est très gentil, c'est un musulman, c'est un Algérien, je crois que ça les a rassurés, même si ça veut rien dire, encore une fois, mais voilà. Et du coup, voilà, on en parle, la mère me dit ouais et tout. Enfin, elle me prenait pas trop au sérieux à l'époque parce que je disais ouais, c'est une passade, elle est en terminale, elle va aller à la fac, elle va oublier cette histoire. Donc, non, ça c'était vers, je sais pas, mai 2014 du coup. Non, mai 2015. Mai 2015. Après, juillet 2015, on déménage, on va à Nice. Comme je disais, je suis originaire de Paris de base. On va à Nice, donc je quitte celui qui n'était pas encore mon mari. Du coup, voilà, c'était difficile pour nous de se dire l'histoire va sûrement se terminer parce qu'on va aller loin, le truc à distance c'est compliqué et tout. Donc je pars à Nice, on aménage là-bas et tout et tout. Je commence mon année et comme je vous ai dit, c'était trop difficile pour moi. Et de toute façon, comme je vous ai dit, ma mère, de toute façon, pendant l'été, elle m'a dit qu'elle en a parlé à mon père. Donc c'est ma mère qui a parlé à mon père, c'est pas moi qui allais lui dire. De toute façon, je me voyais pas lui dire ça, c'est trop la honte. Ma mère en a parlé directement à mon père. Mon père, ça. On s'était mis d'accord pour faire une demande de mariage, comme je vous ai dit, officielle. Je vous remets la vidéo là, comment ça s'est passé. Pour pouvoir faire du coup juste le mariage religieux. Mais j'ai pris une décision du coup en septembre, je leur ai dit c'est mort, j'attends pas l'année d'après pour faire le civil, je veux faire le religieux et le civil d'un coup, je veux partir, je veux me marier, je vais me marier cette année-là. Donc en gros, j'ai pris la décision en septembre et le mariage devait se jouer en juillet, donc j'ai eu que quelques mois pour organiser le mariage. D'ailleurs, ça sera le titre de la prochaine story time parce que je vous avais demandé entre celle-là et l'autre laquelle vous vouliez en premier, donc ça sera sur mon organisation express de mon mariage qui se termine en cauchemar total, l'enfer du décor, l'enfer du décor d'organiser un mariage à distance. Donc si vous voulez cette vidéo, dites-le-moi dans les commentaires. Bref, du coup, comment j'ai amené cette idée pour que mes parents acceptent cette idée complètement loufoque? Parce que même moi, je me dis maintenant, mais genre, t'avais la tête où? T'es complètement folle. Mais bon, comme vous voyez, je suis pas morte, je vais très bien, alhamdoulilah. Donc au final, c'était pas une mauvaise décision. Essayez de me raisonner, bien sûr. Bien sûr qu'aucun parent accepte que sa fille de 20 ans aille comme ça se marier, entre guillemets, avec le premier venu parce qu'il le connaissait pas encore. Moi non plus, je le connaissais pas tant que ça parce que ça faisait genre 2-3 mois qu'on se connaissait. Voilà, mais moi, je sais pas pourquoi j'avais cette idée, j'étais butée. Il faut que je me marie cette année, il faut que je me marie cette année, il faut que je me marie cette année. Encore une fois, dans la vidéo ou story time, je vous explique que peut-être c'est pas venu de moi. Vraiment, c'est comme si que la décision a été prise au-dessus de mes forces. J'arrive même pas à l'expliquer, donc vous comprendrez peut-être le pourquoi du comment dans la story time dont je vous ai parlé sur ce qui nous a sauvé la vie. Donc moi, en tout cas, en tant que croyante, je pense que c'est Dieu qui a fait que j'ai pris cette décision pour après éviter que j'ai des problèmes bien, bien, bien plus graves après. Bref, et du coup, j'étais butée. On fait la demande en mariage en octobre. Et à partir de là, je voulais me marier cette année. Donc j'étais en forcing avec mes parents. Ça n'a jamais été un conflit, genre vraiment, je fais des crises, j'impose mon mari. Non, parce que pour moi, on ne peut pas imposer un mari à ses parents à partir du moment où le père, la mère n'acceptent pas. Ça sert à rien, parce que l'histoire, il va y avoir plein de problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et déjà, de base, un mariage, c'est difficile. En plus, tu rajoutes les conflits des parents, c'est pas la peine. Moi, je ne me voyais pas imposer quelqu'un à mes parents. Les convaincre, oui. L'imposer, non. Donc, je dis à mon mari, ok, je veux me marier cette année. Lui, il n'était pas contre. C'est juste que lui, il voyait que ça, enfin, pour lui, ça pouvait attendre, mais moi, je voulais pas. Donc, on organise du coup la demande en mariage en octobre.
Et ma belle-mère vient à la maison et tout. Et moi, en attendant, voilà, je me rappelle, j'osais pas parler directement à ma mère pour lui dire, ouais, je veux vraiment me marier cette année. Du coup, en gros, j'envoyais des textos et tout pour lui dire que vraiment, on est sûr de nous, qu'on a fait notre schéma, que, ok, je serai en première, que j'aurais à peine fini ma première année de fac, mais que je compte finir mon diplôme parce que j'étais dans un diplôme de 2 ans, que je compte faire plus d'études après, au moins une licence, donc au moins un bac plus 3, que mon mari il a tel projet, qu'il va aussi faire un bac plus 2, qu'il va travailler, qu'on va trouver un appartement, qu'on va se débrouiller, que je serai à Paris de toute façon, donc ma belle famille habite à Paris, quoi qu'il arrive, ils sont là, ils peuvent nous aider, d'ailleurs ça a été le cas. Pour nous dépanner si on ne trouve pas d'appartement. Bref, j'ai sorti tous les arguments possibles. Ma mère était de moins en moins sceptique. Je lui ai envoyé aussi, je me rappelle, c'est un truc, si vraiment vos parents sont sceptiques, c'est que moi, je transférais les messages de mon mari à ma mère pour qu'elle voie qu'il est vraiment sérieux, comment il me parle, il me parlait d'avenir, de religion, vraiment, genre, ça se voyait que c'était un mec sérieux, que malgré son âge, qu'il était jeune, et ben il avait quand même la tête sur les épaules et qu'on avait vraiment un vrai projet, genre, on n'allait pas, bon, ok, on recommençait tout de zéro et. C'était vraiment la galère. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un récit sur ma première année de mariage, les décors, l'envers du décor du mariage avant, dites-le-moi dans les commentaires, je vous le ferai avec joie. Mais au final, on y est arrivé et je lui avais promis, je suis émue de savoir que, bah, en fait, j'ai tenu ma promesse, je lui ai promis que ça irait et que je m'en sortirais. Au final, c'est le cas. Donc, voilà, après, ma belle-mère est venue, elle a parlé avec ma mère. Ils ont vu que c'était pour la religion, qu'on voulait absolument vivre ensemble, qu'on voulait pas rester plus que ça dans l'illégalité. Du coup, ils se sont mis d'accord et ils ont accepté qu'on fasse du coup le mariage religieux et le mariage civil la même année. Donc on s'est mariés. Donc on a fait la khutba en octobre 2015, en 2016, en juillet 2016, on s'est mariés donc en Algérie. Et on a fait la fête traditionnelle en Algérie et la mairie en France, donc à 10 jours d'écart, on a fait les deux. Tout ça, on avait 20 ans, donc moi j'avais quand j'ai fait mon mariage religieux, j'avais 19 ans et 10 mois, 11 mois, j'ai fait. Un mois après, j'ai fait mes 20 ans et lui il avait 20 ans, donc voilà, on avait à peu près 20 ans tous les deux. Et mon père c'est pas mon père, mon père il m'a jamais dit en face alors qu'il n'était pas d'accord et tout. On va dire il s'est laissé porter par la vague. C'est ma mère qui a rencontré ma belle-mère, c'est ma mère qui a parlé avec mon mari. Mon père il a rencontré mon mari le jour du mariage religieux parce que il me faisait confiance, il faisait confiance à ma mère et ma mère lui a dit elle sent que c'est le bon, on lui fait confiance. De toute façon, on sera là pour elle quoi qu'il arrive. Donc voilà en fait tout simplement il s'est vraiment laissé porter par le truc mais après ma mère quand une fois que je me suis mariée elle me disait que il était pas du tout pour enfin de toute façon je le savais enfin c'était évident qu'il était pas pour il lui disait mais genre c'est le premier venu on va donner une fille au premier venu on n'en sait rien et ma mère elle lui a dit ben quoi tu préfères qu'il y ait une tonne de mecs que ta fille elle te ramène une tonne de mecs et du coup bah il avait rien à dire il sait que j'ai raison il sait comment je suis. Et eux, ils n'étaient pas forcément réfractaires au fait que, par exemple, on continue à se parler, qu'ils viennent à la maison me voir et tout, avec la présence de mon père. Mais c'était trop compliqué à gérer. On n'habitait pas du tout dans la même ville. C'était trop compliqué. Et même moi, franchement, je ne pouvais plus vivre à Nice. C'était vraiment, j'étais pas bien. Donc, c'était la meilleure solution à prendre. Mes parents ont réfléchi, ils ont discuté et puis se sont laissés porter. C'est vrai que moi j'étais insistante, je disais, allez, c'est quand qu'on appelle pour faire la salle et tout. Donc c'est vrai que je leur demandais pas vraiment leur avis, mais si je voyais vraiment qu'ils me disaient non, stop, c'est mort, peut-être que j'aurais agi autrement. Mais ils se sont laissés porter, on a fini par réserver la salle et mon père l'a annoncé à sa famille en Algérie. Ils étaient tous en mode quoi, se marier, mais comment ça? Elle vient de naître la fille. Et du coup, voilà, c'était difficile pour mon père de l'annoncer. Je sais pas s'il avait honte ou. Voilà. Et même après, genre, tout le monde dit, mais pourquoi vous la mariez? Genre, comme si c'était mes parents qui m'avaient mariée de force. Pareil que l'histoire du voile. Comme j'ai toujours voulu faire les choses de façon précoce, j'étais jeune quand j'ai porté le voile, j'avais 15 ans. Quand je me suis mariée, j'avais 20 ans. Donc, à chaque fois, c'est genre mes parents qui m'ont forcée. Et les gens peuvent pas imaginer que c'est juste moi qui ai pris la décision. Donc voilà, du coup pour mes parents c'était difficile à assumer et à chaque fois que quelqu'un me disait quoi, elle se marie, et ma mère faisait non, c'est elle qui veut, c'est elle qui veut, moi j'y suis pour rien, je suis même pas d'accord d'ailleurs dans cette histoire, j'aurais voulu que ça se fasse autrement. Donc vraiment, genre elle était en mode genre voilà quoi, elle était très inquiète. Encore une fois, Dieu merci, ça c'est. Après, on a pris nos marques avec notre mari, le temps est passé, on leur a prouvé qu'on n'avait pas tort, mais c'était difficile au début.
Donc voilà pour une petite histoire. Je vais juste du coup vous donner des conseils pour que vous puissiez vous en servir pour annoncer à vos parents que vous voulez vous marier. Que ce soit jeune ou pas. Jeune, c'est plus compliqué parce que franchement, même moi en tant que mère, si ma fille elle vient me refaire la même chose que moi, je vais être inquiète. Forcément, c'est normal. C'est normal. Les jeunes, c'est naïf, on est naïve, on peut se faire embobiner par le premier venu. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et même pas se faire embobiner, mais la vie est difficile. Et moi, avec toutes les galères qu'on a eues avec mon mari après, je sais que c'est pas facile, donc c'est pas forcément quelque chose que je voudrais pour ma fille. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que c'était religieux et que je voulais marier avec mon mari, quoi. Je voulais pas attendre et me marier avec un autre. Mais si je vois qu'elle a la possibilité de pas se marier jeune, je lui conseillerais de pas se marier jeune parce que c'est compliqué. Mais dans les cas où là on n'avait pas le choix, bon, bien sûr, on a fait passer la religion avant. Donc voilà, donc vous, essayez de faire comme moi, allez-y en douceur. Moi, ce que je vous conseille, le conseil numéro un, c'est de le dire à votre mère directement, le plus tôt possible. Dès que vous voyez que c'est sérieux, dites-le à votre mère. Pas à votre père, parce que le père, ça devient directement beaucoup plus officiel et vous commencez à vous faire fliquer et tout. Mais à votre mère, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Parlez-lui de lui, montrez-lui des photos, parlez-lui de sa famille. Oui, la famille, elle est, voilà, ils sont comme ça, ils sont très ouverts, c'est des gens bien. Voilà, essayez de trouver le plus d'arguments qui fait qu'elle va être rassurée. Si c'est la personne de la même origine, ah bah comme moi, j'ai eu de la chance franchement de ce côté-là. On est de la même ville en Algérie, on va avoir les mêmes traditions, sa mère elle est bienveillante, il a des grands frères et des grandes sœurs, donc j'aurais pas de problème. C'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi, donc j'aurais pas de soucis de belle famille, et c'était bien le cas, je suis tombée sur une belle famille adorable. Donc essayez de vraiment genre de calmer ses peurs à votre mère. Et de l'habituer petit à petit, pas brusquement, genre ok maman, dans une semaine je me marie. Bien sûr, j'ai pas fait ça, hein. Elles vont retuer, je crois. Ensuite, deuxièmement, bah, votre mère, elle va en parler à votre père. Donc, quand vous voyez que c'est vraiment votre mari veut venir demander votre main, bah, vous dites à votre mère, c'est bon, tu peux le dire à papa, la belle famille vont venir pour demander. Mon conseil, c'est d'être déjà vous, sûr de vous. Ça veut dire, avant d'en parler à vos parents, parlez avec votre prétendant et posez-lui toutes les questions qui vous passent par l'esprit pour être sûr de ne pas vous tromper, pour pas justement, encore une fois, présenter quelqu'un à vos parents pour au final, il n'y a rien et c'est la honte et voilà, entre guillemets. Donc, parlez de tous les sujets dans la limite du raisonnable, bien sûr, de tous les projets, genre la religion, c'est très important, parlez beaucoup de religion, de famille, votre rapport à la famille, comment lui vous considère, s'il ne veut pas vous imposer de ne pas travailler, par rapport à vos études, s'il veut vouloir arrêter vos études, par rapport à l'argent, c'est un sujet super important, même s'il est tabou, mais c'est 50% des problèmes des couples qu'il y a, le partage d'argent, qui doit payer quoi, si vous devez vous partager, si vous laisse. Donc voilà, les partages des tâches ménagères, les enfants, le nombre d'enfants, plein plein de choses. Il y a une fille qui a fait une vidéo très intéressante sur les questions à poser à votre prétendant avant de vous marier, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Posez-lui toutes les questions qui vous passent par la tête, comme ça vous êtes sûr de vous ramenez un candidat entre guillemets en béton à vos parents. Comme ça, voilà. Si en plus du fait que vous devez présenter quelqu'un et que vous êtes jeune et que vous continuez vos études, alors que bon, par exemple, pour quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, bon, vous présentez quelqu'un, c'est moins compliqué que quand vous avez 20 ans. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez vous marier jeune, donc encore une fois, soyez très 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 sûr de vous, le mariage c'est pas un jeu, et à un âge aussi jeune, c'est plus compliqué forcément parce que comme je vous ai dit, il y a tout à refaire, le travail, tout tout. Donc si vous êtes dans ce cas-là, apportez à vos parents des garanties. Donc comme j'ai fait, voilà, vous engagez à continuer vos études si vous êtes en train de continuer vos études, vous donnez un projet concret, de ça veut dire oui, moi je vais faire ça et après je vais trouver tel boulot, mon mari va faire ça et il va trouver tel boulot, il va finir ses études et en même temps comment on va payer là, on va payer parce qu'on fera nos études, donc on va faire un petit boulot à côté par exemple, on va se faire aider par la belle famille. Voilà, faut vraiment donner un truc concret à vos parents en même temps pour vous, que vous vous embarquez pas non plus dans n'importe quoi. Nous, à la base, on l'avait dit, on va vivre dans un appartement pour étudiants, donc au Crous. C'était ce qu'on était parti finalement. Galère numéro 99, on n'a pas pu. Au final, on s'est retrouvé dans des situations un peu compliquées. Donc pareil, comme je vous ai dit, ça sera dans la story time si vous voulez la story time sur l'envers du décor du mariage. Jeune, mais voilà, ça veut dire qu'on avait prévu quand même plein de trucs, des roues de secours, heureusement. Et au final, bah, on n'avait pas tort parce qu'on avait prévu toutes ces garanties. Donc, si vous voulez vous marier jeune, voilà, faut montrer à vos parents que vous avez vraiment envie.
que vous êtes sûr de vous, que vous voulez vraiment être l'un avec l'autre, et puis montrer surtout que vous connaissez bien la personne, que voilà, c'est pas genre vraiment le premier venu, au bout de 2 mois, vous avez pris à peine le temps de le connaître, et voilà, donc s'il faut, bon moi j'avais la difficulté qu'on n'habitait pas à côté, mais si vous habitez à proche, bah ramenez le garçon à la maison, en présence de votre père, vous parlez, vous discutez, vous essayez vraiment de parler de tout, de tout, de tout, de tout, et là la relation n'est pas du tout haram, c'est comme ça qu'on fait connaissance avec un garçon, donc... Voilà, comme ça en même temps, vos parents ils voient comment il agit, vous voyez comment il agit avec votre famille, s'il n'a pas des réactions bizarres, vous rencontrez sa mère, vous voyez si elle ne vous fait pas de remarques bizarres, vous essayez vraiment de tout savoir sur tout, et après bon, comme on dit, on est croyant, on fait confiance à Dieu, s'il doit arriver malheur, bah il arrivera, c'est-à-dire même si vous fliquez tout le truc du FBI, c'est possible qu'il y ait des problèmes. Mais vous avez fait votre possible, donc voilà, surtout rassurez vos parents, c'est le plus important, montrez-leur des garanties, faites-les rencontrer, faites-les discuter, ils vont voir que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, et surtout si vous êtes étudiante, c'est ce qui inquiète le plus les parents, c'est les études, donc vraiment montrez que vous êtes sérieuse dans vos études déjà avant de vous marier, même en organisant, j'ai validé mon année alors que je galérais à organiser mon mariage en même temps, donc ils ont vu que j'étais vraiment motivée. Vous montrez surtout que votre mari c'est pas le genre de mec qui va vous dire ok tu arrêtes tes études ou alors tu fais tes études mais après tu restes à la maison, donc voilà, faut vraiment montrer que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, que votre mari va pas vous gêner dans vos études, dans vos vies, et normalement ça devrait pas poser de problème. Et surtout l'argument que j'avais l'argument qui marche le plus souvent, c'est que les gens qui sont pas musulmans ils vivent ensemble dès qu'ils ont 15 ans, 16 ans, ils se mettent en couple, ils vivent ensemble. Je veux dire, le mariage en lui-même, à part le papier qui est bien sûr plus officiel et tout ce qui s'ensuit, les responsabilités religieuses et tout, mais on oublie ça. Je veux dire, juste la vie commune à deux, bah c'est pareil au final. C'est pas plus dangereux que de juste vivre avec une personne sans le mariage, sans rien. Et puis il y a des gens qui arrivent très jeunes, donc ça veut rien dire. C'est pas l'âge qui... Enfin, il faut être responsable surtout. Donc voilà, ça veut dire que quand on se marie, c'est ce que mon mari disait justement dans les messages que j'ai envoyés à ma mère, c'est pas une énorme responsabilité en soi, dans le sens où on va pas directement avoir des enfants ou directement se mettre dans la vie du travail, devoir travailler et tout. On pouvait finir nos études et lui il était en alternance, moi j'ai pris un petit boulot et ça nous a largement suffi pour vivre pendant des années et finir nos études, donc voilà, en fait faut juste les rassurer, et bien sûr nous, et c'était genre le truc, il fallait surtout pas d'enfants la première année ni la deuxième année, donc c'était aussi dans les engagements, pas d'enfants, parce que les enfants, bah, pareil, là pour le coup les enfants c'est une grosse responsabilité, donc pour le coup avoir un enfant à 20 ans c'est pas se marier à 20 ans, donc dans ce cas là oui il faut trouver une solution pour pas avoir d'enfants, et rassurer les parents toujours. Enfin, je sais que moi c'était la plus grande peur de ma mère, je crois. Là après 3 ans, elle commence un peu à décompresser un peu, mais au début c'était compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Voilà, si vous avez d'autres conseils et que vous êtes déjà marié ou que vous êtes en train de faire les démarches pour vous marier, mettez-le dans les commentaires pour aider les autres. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que ma petite story de mariage vous a plu. Si vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde de spécial sur le mariage, mettez-le en commentaire. Donc il y a plein de sujets, la dot, le trousseau, je ferai des vidéos courtes comme ça pourra vous aider. La dot, le trousseau de mariage, le mariage mixte, je sais que c'est beaucoup revenu que je dois le faire, mais en fait j'ai pas envie de tout de suite m'embrouiller parce que je sais que ces histoires c'est... Bref, j'ai déjà fait une vidéo polémique sur le voile, on va se calmer, je me suis fait insulter tous les noms, donc on va se calmer un peu sur la polémique, mais elle sortira dans pas longtemps. Bref, n'oublie pas de mettre un like pour m'encourager, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous voulez suggérer, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à une prochaine vidéo.